Bonjour Monsieur Clown. On espère que vous allez tous très bien. Tout d'abord, nous allons commencer à chanter un chant où Dieu nous encourage à compter sur lui et nous montre qu'il est tout puissant pour nous sauver et délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la force au lion. Seigneur le Tout-Puissant que nous nous confions. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse, du peuple de Dieu et d'une bataille. Une bataille? Mais tu parles de la guerre? Oui, tout à fait. Le peuple des Amalécites est venu attaquer le peuple de Dieu. Ah bon? Mais tu sais ce qui s'est passé? Oui, je vais te raconter. Moïse a choisi Josué pour diriger les soldats et il lui a dit qu'il se tiendrait sur la montagne avec le bâton de Dieu en main. Donc, Josué est allé combattre les Amalécites. Oui, tout à fait. Et Moïse, Aaron et Our sont montés au sommet de la montagne. Dès que Moïse levait les bras, c'est le peuple de Dieu qui gagnait. Et dès qu'il baissait les bras, c'est les Amalécites qui avaient le dessus. Moïse levait les bras, mais c'est dur. Essayez les enfants, vous verrez que c'est difficile de garder les bras levés durant des heures. C'est ça. Donc, Aaron et Our ont aidé Moïse en lui tenant les bras et tous les trois, ils tenirent ferme jusqu'au coucher du soleil. Donc, le peuple de Dieu a gagné. Cela nous montre qu'il faut prier et agir pour remporter des victoires. C'est un exemple à suivre pour nous tous. Que ce soit pour nos familles, mes amis et à l'école. Dans le psaume 66 au verset 19, David dit « Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de mes prières. » Nous avons un Dieu tout puissant qui nous écoute et qui se plaît à nous bénir. Confions-nous en lui et nous remporteront des victoires. Oui, tout à fait. On vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas de vous confier en Dieu.